se tient debout sur la mer et sur la terre. 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, say and say, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me répondit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto him, he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings to the reading of his word. Je voudrais prêcher sur, comme je l'ai annoncé, la parole parlée est une semence. I want to preach upon, as I said it, the spoken word is a seed. Pour vous aider à reconnaître qui vous êtes. To take you to recognize who you are. Vous avez de la valeur. You have value. Vous êtes de Dieu. You are of God. Quand Dieu a créé le premier homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre propre ressemblance. When God created the first man, he said, let us create the man unto our image, unto our own likeness. Je vais un peu chercher ça. Let me find it. C'est le 18, je crois. I guess it's in 18. Ça. That's it. Genèse chapitre 1er, on a souvent lu ça dans les mariages. Genesis chapter 1, we've read it many times in the marriages. Ah, 26, hein? 26. Il dit ceci. This is what he said. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Bible says, so God created man in his own image. Il le créa à l'image de Dieu. He created him in God's image. Il a bâti qu'il le créa à l'image du Fils de Dieu. He didn't say created him at the image of the Son of God, no. Ou bien il le créa à l'image de fille de Dieu. He created him at the image of the daughters of God, no. Il le créa à l'image de Dieu. He created him at the image of God. C'est pour cela que je voudrais vous amener chacun de vous à reconnaître sa position. That's why I want to bring each one of you to recognize his position. Hallelujah! Oh my!
Adam a été créé non pas pour mourir. Adam was created not to die, mais pour vivre éternellement. But to live forever. Adam n'a pas été créé pour commettre un péché. Adam wasn't created to commit a sin, mais pour vivre dans la sainteté. But to live in the holiness. Et Adam, and Adam avait perdu cela. Lost it. Amen. Amen. Parce qu'il avait péché. Because he sinned. Il avait perdu sa nature de Dieu. He's lost his divine nature. Et aujourd'hui, and today, nous savons que le second Adam était venu. We know that the second Adam came. Et son nom est Jésus. And his name is Jesus. Il est revenu sur la terre pour nous donner la nature de Dieu. He came back on the earth to give us back God's nature. Amen. Amen. C'était la semence de Dieu rendue manifeste. That was God's seeds made manifest. C'est ce que je veux prêcher aujourd'hui. That's what I'm going to preach today. Je crois que c'est bien. I believe it's good. Yes, wonderful. Wonderful. Donc la semence de Dieu, so God's seed, est devenu homme. Has become a man. C'est la loi de la nature. It is the nature's law. C'est simple. That's simple. Ma prédication est très simple. My sermon is so simple. Et je prêche ici aux agriculteurs. And I preach here to agriculturists. Je crois que vous me comprenez. Believe you understand me. Est-ce qu'il y a des agriculteurs ici? Are there des agronomes? Agronomists. Il y en a pas. Are there some here? Même pas un seul. Not even one. Toi, tu es vétérinaire. Yeah, you are veterinary. Mais vous allez suivre ma prédication. You're gonna listen to my sermon. C'est, je vais prêcher en forme de parabole. I'm gonna speak as parables. Quand vous semez, lorsque vous semez, par exemple, une mangue. When you sow, for example, a mango. Ça ne peut produire que la mangue. That can produce only the mango. Pas un seul. Not only one. Mais plusieurs. But many. Et quand vous semez, par exemple, une pomme. And when you sow, for example, an apple. Ça ne peut produire que des pommes. That can bring forth only apples. Si vous semez quoi encore? Les arachides. If you seed, what else? Peanuts. Et ça vous produit, par exemple, les maïs. And that brings forth, for example, corns. Ah, ça ne va pas? That's not normal. Ça ne marche pas. It's not okay. Parce que il est écrit clairement. Because it's clearly written. La semence doit produire selon son espèce. So the seed ought to produce according to its kind. Frère Branham dit au paragraphe 100. Brother Branham said paragraph 100. La parole parlée à la semence originelle. The spoken word is the original seed. Maintenant souvenez-vous. Now remember ye. Chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. Each spoken word of God is the original seed. Dieu a planté dans la terre par sa parole. God had planted in the ground in the by his word. Vous savez comment Dieu a créé le monde? You know how God created the world? Comment? How? Par la parole. By the word. C'est dans ma prédication ce qui est écrit. Est écrit. J'ai prêché ça ici. It's in my sermon. What Dieu, is written is written. If ça I viendra. It's coming, please. Quand Dieu a parlé, when God has spoken, ça peut passer deux siècles. I can go after two centuries. Cette parole doit s'accomplir. That word must come to pass. C'est ça qui fait la force des prophètes. That what makes the strength of the prophet. Parce que les prophètes croient à la parole parlée. Because the prophet believe in the spoken word.
Et ils écrivent cela. And they write it down. Ils savent que ça doit arriver. They know it must happen. Dieu ne peut pas parler pour parler. God cannot speak just to speak. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Au paragraphe 100. Paragraph 100. Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. God has planted everything in the ground by his word. Ah, qui est des manguiers. May the mangoes be. Ça apparaît. That appears. Amen. Amen. Qui est des pommiers. Pouf. Ça apparaît. May the apple trees be. Pouf. Happens. Alors. Then. Il a dit. Chaque semence doit avoir à l'intérieur quoi? La vie. Pour se reproduire. He said, each seed must have in itself the life to reproduce. Que chaque semence produise selon son espèce. Let each seed reproduce itself according to its kind. Et frère madame dit, and brother, brother elle se multipliera et se reproduira selon son espèce. They will multiply or reproduce according to its species. Et frère madame dit au paragraphe 105. Proverbs say paragraph 105. Il dit, he says, dans Genèse 1:11, in Genesis 1:11, la Bible dit que chaque semence produit selon son espèce. The Bible says each seed produces according to its kind. Il dit, or, he said, but, une fois que Dieu l'a dit, once God has said it, une fois que Dieu l'a dit, once God has said it, il dit, c'est réglé. He said, that's set. Il reprend encore, c'est réglé. He says it again, it's set. Toujours. Always. Ça sera comme ça. It's going to be like this. Je crois ça. Un homme ne peut pas. A man cannot. Pour se reproduire, avoir un singe. To reproduce, to go to a monkey. Hey. Non. No. C'est selon son espèce. It's according to its kind. Oh, Jésus. Oh, my. Aie pitié de nous. Have mercy upon us, Jesus. Je dois aller. I have Il faut to go que for. Je tape. Ah, il faut que je passe. I have to go to pass by. Il dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Each seed ought to reproduce according to its kind. Il dit si vous les croisez, ça va sortir une espèce que Dieu n'avait pas créée. He said if you mix them, it's going to produce a kind that God didn't create. Et ça ne peut plus se reproduire. And that cannot reproduce itself. C'est ça que Eve a fait ici. That's what Eve did over there. Alors, c'est l'hybridation. It's hybridation. Je crois que ma leçon est facile, n'est-ce pas? Believe my lesson is easy. Yes, it is. Ah oui. Yes, it is. On va prendre un animal. Vous aurez quel enfant? Okay, let's go with an animal. What kind of child are you going to have? Un monstre. A monster. Et Dieu n'a pas créé ce monstre. And God did not create that monster. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Because God said everything that he created was good. Oh Seigneur. Oh Lord. La kisabana yo. Show it to your children. Il fallait que la semence de Dieu soit manifestée. The seed of God was to be manifested. Parce qu'à travers Adam, nous tous, nous avions perdu la nature divine. Because through Adam, we all lost the divine nature. À travers le péché d'Adam, le péché d'Ève. Through Adam and Eve's sin. On a perdu la divinité qu'on avait. We lost the deity that we had. Avant. Before. Adam parlait. Adam was speaking. Même les arbres se déplaçaient. Even the trees were moving. Même le lion obéissait. Even the lion were obeying. Mais après, but after, il commençait à fuir le lion. He started running away from the lion. So what? Là, j'ai vu le lion. No, I saw the lion. Eve a dit comment? Eve said, what's going on? Le,
Tu as peur du lion? Are you afraid of the lion? C'est toi le problème, non? He said, you are the issue, aren't you? Et il fallait qu'on revienne à cette nature-là. And we were to come back to that nature. C'est ça la rédemption. That's the redemption. On nous redonne ce que on était. We are given back what we were. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. C'est la loi de la reproduction. That's the reproduction's law. Qui va nous redonner cela. That will give us back. Vous croyez à cela? Do you believe that? Oui. Yes. Alors, si c'est par la loi de la reproduction, if it's by the reproduction's law, que nous allons encore redevenir des dieux, that we will become again gods. Ah oui. Oui. Un homme ne peut qu'enfanter un homme. A man can give birth only to a man. Qui a déjà vu un homme qui a enfanté un singe? Who has seen a man giving birth to a monkey? Ah non. No. Il doit enfanter un être humain. He has to give birth to a human being. Alors, vous savez, you know, je parle ici aux agriculteurs, I'm talking here to aux the agronomes, agronomists. Ils cherchent souvent des grains, des semences, tout ça. They look for grains, seeds and stuff. Il dit, donnez-moi les semences là, je vais planter. So give me the seeds so I can plant them. Est-ce que c'est vrai? Is it the truth? Yes, yes. Et ils achètent ça. And they buy that. Et il y a l'Organisation mondiale de quoi, je ne sais pas. Qui donne ça. And the mondial organization gives that. Comment ils s'organisent là? How they get together. Alors ils donnent des semences. Then they give seeds. Chez nous en Afrique ils le font. In Africa they do that. Quand on avait des problèmes en Égypte. When a trouble were in Egypt. Un grand homme de Dieu du nom de Moïse. Great, et du nom de Joseph. Great man of God named Joseph. A dit qu'on doit faire des réserves. Say we need to do reserves. Et Frère Madame dit. Brother Bram says. On avait pris un grain de maïs. They took a de l'Égypte. Of corn from Egypt. Qui a fait des milliers d'années. That spent 1,000 years. On est venu pour semer ça ici aux États-Unis quelque part. They came to plant it here in the United States. C'était, ça s'est reproduit. That reproduce itself. Pourquoi? Why? Parce qu'à l'intérieur, because inside, il y a la vie de l'espèce. There is the life of the kind. Amen. Amen. Maintenant, il faut l'espèce Dieu. Now it takes the kind God. Pour avoir des dieux. So gods can be. C'est l'espèce Dieu qui peut reproduire des dieux. It is God kind that can reproduce gods. Donc on cherchait la semence Dieu. So one was seeking God's seed. Pour qu'on puisse planter cela. So it can be planted. Pour que ça puisse produire des dieux. So he can produce gods. Ces dieux-là étaient connus de Dieu avant la fondation du monde. Those gods were known from God before the world foundation. Et Dieu and God est devenu une semence. Became a seed. Alléluia! Vous êtes avec moi? I am. Frère Madame parle au paragraphe 143. Brother Bob speaks in paragraph 143. Il dit, mais Dieu, he said by God, il y a un germe de vie. There is a germ of life. Qui est venu de la vraie semence. That came from the true seed. Ah. Donc, la vie Dieu. So, God's life. Est devenue une semence. Became a seed. Ça doit se reproduire. That must reproduce itself. Frère Bernard, parle-nous clairement. Brother Bernard speaks to us plainly. Il dit, he says, afin que cette vie-là se répande sur la semence originelle. So this life can spread on the original seed. Tel qu'elle avait été donnée à Ève. The way it was given to Eve. Qu'en se répandant sur la vraie église. When it spread of the true church. Hey, ici on parle maintenant de l'église. Here they talk about the church. En se répandant sur sa vraie église. By coming on the true church. Qu'est-ce qui doit venir sur la vraie église? What must come on the true church?
Qu'est-ce qu'on doit planter dans la vraie église? What must be planted in the true church? La vraie semence, Dieu. The true seed, God. Oh, frère Branham crie. Brother Branham shouts. Et dit, elle produit de nouveau par la naissance, par le sein de son épouse. Produces again in the birth, in the womb of his bride. Donc il doit y avoir une épouse. So there must be a bride. Pour placer cette semence. To put that seed. Pour que cette semence se reproduise selon son espèce. So that seed can be produced according to its kind. Je suis en train de faciliter ça. I am making it easy. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? I do. Et frère Branham qui, vous voyez? Branham say, you see? C'est riche. It is rich. Et glorieux. And glorious. Et il dit, je vous laisse un peu de temps pour étudier ça. He say, I give you some time to study it. Pour que ça pénètre bien. So it can penetrate well. Il est cette semence. He is that seed. Il est cette semence qui a été produite par la parole parlée. Is that seed that was produced by the spoken word? Il dit, voilà. Hallelujah. Voilà la semence. He said, behold the seed. Vous cherchez la semence? You look for the seed. Vous cherchez la semence de Dieu? You forgot seed. C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Many men. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Au verset 14. Verse 14. Jean chapitre 1 verset 14. John chapter 1 verse 14. Et la parole a été faite chair. And the word was made flesh. Many men. Maintenant quand on le voit, la parole faite chair. So when you see the word made flesh. Donc ça peut se reproduire. So it can reproduce. Selon son espèce. According to his kind. Or, l'espèce c'est la parole faite chair. And the kind of the word made flesh. C'est Dieu. It is God. Amazing. Hallelujah. À travers lui, on peut avoir beaucoup de Dieu. Through him, we can have a lot of God. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. C'est riche, c'est glorieux. It's rich, it's glorious. Et il dit ceci. Oh my, and this is what. Donc, paragraphe 144. Donc. Then, Jésus est la parole manifestée. Jesus is the word manifested. Lui him, et la parole and the word, sont une seule et même chose. Are only one thing. Voilà pourquoi elle a été manifestée. That's why it was manifested. Si parfaitement. So perfectly. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté si parfaitement en Jésus. That's why God got manifested so perfectly in Jesus. C'est parce qu'il était la parole semence. Because he was the word, he was the word seed. Je parle aux agronomes. I'm talking to agronomists. Maintenant vous avez la semence. Now you have the seed. La parole. The word. Semence. Seed. De Dieu. Of God. C'est Jésus. It's Jesus. Vous voulez avoir beaucoup de Dieu? What are many gods? C'est mais Jésus. Oh, so Jesus. Amen. Many men. Il était la parole germe de Dieu. He was the word germ of God. Il était la parole germe de Dieu. He was the word germ of God. Et il dit le germe est esprit. And he said the germ is a spirit. Donc, il a seulement besoin de l'eau. He just mettez de l'eau. Water, just water, just put some water. Hey! Hallelujah. Aïe, aïe, aïe. Praise the Lord. Paragraphe 156. Paragraph 156. La parole parlée la semence originale. The spoken word is the original seed. C'est simple maintenant. Simple now. Vous voulez voir des dieux sur la terre? You want to see God on the earth? Yes. Vous voulez voir des dieux sur la terre? You want to see God on the earth? Yes. Qui veut voir des dieux sur la terre? You want to see God on the earth? Moi aussi. Me too. C'est simple. It's simple. Écoutez. Listen ye. Donc, then, voilà pourquoi Jésus était manifesté. Behold why Jesus was manifested. Pourquoi Dieu était si parfaitement manifesté en Jésus? Why God was so perfectly manifested in Jesus? Il était la parole de Dieu. He was God's word. Pourquoi? C'est pour ça. Why? That's why. Elle ne pouvait produire absolument rien d'autre que Dieu. She could not produce anything else but God. Comment? La parole, est-ce que vous voyez la parole? The word, do you see the word? Alors. Then.
Mais on peut voir Dieu. We can see God. À travers un homme. Through a man. La parole s'est fait chair. The word is made flesh. Et nous voyons Dieu. And we see God. Parole 156. J'ai lu. I'm reading. Elle ne pouvait produire absolument rien d'autre. She could produce anything else. Que Dieu. But God. Hallelujah. Et si Dieu est en vous. And if God is in you. Pourriez-vous être autre chose? Can you be something else? Comment? How come? Vous êtes de Dieu. You are God. Vous avez compris? Did you understand? Qui n'a pas compris? Who did not understand? Quand Jésus est venu sur la terre. When Jesus came on the earth. Il fallait que Jésus soit semé. Jesus was to be sown. Écoutez. Listen. Quand Dieu. When God. A fait la semence. Made the seed. Et que les gens ont compris. And the people understood. Qui était la semence. Who was the seed. Et ils voulaient le voir. They wanted to see him. Nous voulons te voir. We want to see you. Il dit, vous ne me verrez pas. He said, you won't see me. Le grain doit faire quoi? The grain must do what? Doit tomber. Must fall. Jean chapitre 12. John chapter 12. Si le grain de blé ne tombe. If the grain of wheat doesn't fall. Il reste seul. It stays alone. Vous voyez que Jésus connaissait très bien l'agriculture. You see, Jesus knew agriculture so well. C'est Jean 12 combien? John 12, which verse? Verset 24. Verse 24. En vérité, je vous le dis. Verily, verily, I say to you. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Except the corn of wheat fall into the ground and die. Il reste seul. It by death alone. Mais s'il meurt. But if it die. Il va produire une seule personne. It brings forth one person. S'il meurt, il produit beaucoup de fruits. If it die, it brings forth much fruit. Donc lui-même Jésus se considère comme un grain. So himself, Jesus considered himself as being a grain. Si vous m'avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Donc Jésus then Jesus, nous enseigne ici l'agriculture. The agriculture. Que lui il est la semence. He is the seed. Il est le grain. He is the grain. Il doit mourir. He ought to die. À l'intérieur inside de lui of him, il y a la vie. There is life. Et il est mort à Golgotha. And he died on Golgotha. Il était enterré. Was buried. Et la vie est sortie. And the life came out. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Je crois que c'est clair, non? I believe it's clear, isn't it? Veut dire, meaning, la parole est sortie. The word was brought forth. Et il est venu entrer. And it came to step into. Dans les 120. The 120. À la chambre haute. In the upper room. Ils étaient remplis de Jésus. They were filled with Jesus. Remplis de la semence. Filled with the seed. Suivez-moi bien. Listen to me tight. Paul. Se retrouve devant quelqu'un qui ne marchait pas. Find himself when somebody doesn't walk. Il dit, lève-toi. He says, stand up. Et cet homme s'est levé. That man stood up. Vous savez comment les gens ont appelé Paul? You know how the people called Paul? Nous avons vu des dieux sous des formes humaines. We have seen gods on human shapes. Acte 14. Act 14. Mais il dit, quand Jésus. That means when Jesus. Reproduit un enfant. Reproduces a child. Il ne va pas seulement rester enfant. Stay enfant, child. Enfant. Child. Non, un jour il sera grand. One day it's going to be big. Vous n'allez pas appeler un lionceau de 9 mois, de 12 mois. Lionceau. You won't call a lion cub. Malade. That is 12 months old. Lion cub. You crazy. Quand vous voyez. Un lionceau qui a atteint 12 mois, c'est un lion. When you see a lion cub that is 12 months, is a lion. Amen. Amen. Vous avez crié, j'ai vu un lion. You can say, I've seen a lion. That's right. Oh, Jésus. Oh, Jesus. Et
C'est passé depuis les Luther, Wesley, Wesley, the Pentecost. Mais au temps de la fin. But in the end time. Parce que je prêche au temps de la fin. Because I preach in the end time. Nous devons retourner au temps de la fin. We have to go back in the end time. La semence qui était tombée à terre. The seed that fell on the ground. Doit se manifester. Must get manifest. Alors, on doit amener quoi? So what do we need to bring? La parole originelle. The original word. Il y aura un prophète. There's going to be a prophet at the qui viendra au temps de la fin. He will come in the end time. Qui ramènera. He will bring back. Tout ce que les dénominationnels ont perdu. All that the denominations have lost. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Baptism in the name of Jesus la Christ. Divinité de Jésus-Christ. Jesus Christ deity. Il y a un seul Dieu. There's only one God. Son nom est Jésus-Christ. His name is Jesus Christ. Il va nous ramener à la foi de nos bring pères apostoliques. The faith of our fathers, the apostles. Ce prophète-là. That prophet. Son nom est William Marion Branham. His name is William Marion Branham. Ce n'est pas tellement difficile, ma prédication. It is not that difficult, my sermon. Vous croyez à cela? Do you believe I do? Son travail, his work, c'est de nous ramener is to bring us back à la foi de nos pères apostoliques. To the faith of our fathers, the apostles. Donc, il viendra who's gonna come? Avec la parole semence. With the word seed. Hallelujah. Praise the Lord. Il viendra avec la parole semence. He'll come with the word seed. Et si vous croyez à cette parole semence, if you believe in that word seed, au temps de la fin, in the end time, vous deviendrez de Dieu. You will become God. Man, amen. Vous deviendrez de Dieu. You will become gods. Les gens vont le rejeter. People will reject him. Je m'en fous. I don't care. Mais vous, but you, vous avez cru. You have believed. Vous êtes prédestiné à croire. You are predestined to believe. À ce prophète-là. In that prophet. Yes, sir. Donc, then, vous devez devenir de Dieu. You have to become gods. Amen. Amen. Vous voulez connaître le ainsi dit le Seigneur? Yes. Do you want to know the thus saith the Lord? Frère Branham dit un jour. Brother Branham says one day. Asseyez-vous s'il vous plaît. You may be seated, please. Un soir, je cherchais le Seigneur. One evening, I was seeking et the Lord. Et le Saint-Esprit me dit, prends ta plume et écris. And the Holy Ghost told me, take your faith and write. Son esprit me donna un message pour his l'église. Spirit gave me a message for his church. Je vais l'apporter maintenant. I'm going to bring it now. Il a trait à la parole et à l'épouse. It's about the word and the bride. Donc Dieu, to God, vous envoie votre ainsi dit le Seigneur. Send you your that saith the Lord. Vous, alléluia. L'épouse de Jésus-Christ you du temps de la fin. Of Jesus Christ in the end time. Voici ce que j'essaie de vous dire. Look at what I'm trying to tell you. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. The law of the reproduction wants for each kind to reproduce according to its kind. Oui, frère Branham, continue. Yes, brother Branham, go ahead. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. That's the Holy Ghost speaking. Yes. D'après Genèse 1, 11. According to Genesis 1, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Vous connaissez. Then God say, let the earth bring forth grass, and you know it. Alors il dit, la sorte de vie qui était dans la semence est apparue. The kind of life that was in the seed appeared. Dans une plante. In a plant. Pour se transmettre ensuite dans un fruit. To be transmitted then in a fruit. Et c'est la vérité? Is it the truth? Vous semez une mangue? You sow a mango. La plante s'appelle manguier. The plant is called mango tree. Et la vie se transmet. And the life is transmitted. Au fruit. To the fruit. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Ghost. Aïe, 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 aïe. Je laisse ça. I'm going to leave it alone. Je veux vous laisser souffrir un peu. I'm going to let you suffer a little bit. Écoutez bien. Listen well. En ce moment-là, in that time, la parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. The word of the promise came to Virgin Mary. Hallelujah. Oh my.
Et Marie a dit, je crois. Mary said, I believe. Quand Marie a dit, je crois, la parole est entrée dans Marie. When Mary said, I believe, the word went into Mary. Elle est vierge. Elle connaît pas de credo ni aucun dogme fait de main d'homme. A virgin doesn't know any creed or anything made of men. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. The word of the promise came to Virgin Mary. Mais cette parole de la promesse, but that word of the promise, c'était que lui-même allait être manifesté. Was that he was to be manifested himself. Qui devait se manifester? Who was to be manifested? Jésus, Dieu. Jesus, God. Donc il était dans le ventre de Marie. So he was in the womb of Mary. Formé par la parole que Marie avait reçue comme une semence. Made by the word that Mary received as a seed. Aïe, aïe, aïe. Oh! Hallelujah. Il dit ceci. This is what he says. La parole, la promesse que lui-même allait être manifesté. The word of the promise that he would be manifested himself. Dieu. God. A été manifesté. Was manifested. C'est vrai? Is it true? Yes. Oui. Yes. Ah oui. Oh yes. Oh oui. Oh yes. L'ange est venu. The angel came. Il a causé avec Marie. Spoke with Mary. Marie a cru. Mary believed. La parole est entrée en Marie. The word went in Mary. Pour manifester qui? To manifest who? Dieu. God. Saint-Esprit, parle-nous. Holy Spirit speaks to us. Il dit, c'est un ange qui a apporté le message. He says, an angel that brought forth the message. Il dit, mais le message de l'ange était la parole de Dieu. He said, but the message of the angel was the word of God. Vous croyez à cela? Do you believe that? Oh mon Dieu. Oh. Il dit, en voici le secret. He said, behold the secret. Je vais pas comme ça. Natia monte mon abino ricolo. I'm not going to put your heart like. Je vais tout droit là-bas. I'm going straight into that. Yes. Yes. Marie n'était qu'un type. Mary was just a type. C'est vrai. En voici le secret. Oh my! Behold the secret. La parole est venue dans l'épouse. The word came in the bride. Comme elle était dans Marie. As it was in Mary. Maintenant, la parole est où? Now where is the word? Dans l'épouse. In the bride. Oh my! Ça va produire quoi? What does it have to produce? Dieu. God. C'est simple, non? It's simple, right? En voici le secret. Beyond the secret. La parole est dans l'épouse. The word is in the bride. Comme elle était en Marie. As it was in Mary. L'épouse a la pensée de Christ. The bride has the thought of Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Because she knows what is to be made of the word. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. She carries out in his name what the word ordains. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Because she has the that saith the Lord. Alors la parole est vivifiée par l'Esprit. Then the word is quickened by the Holy Ghost. Et elle s'accomplit. And it comes to pass. Comme une semence qui a été plantée et arrosée. As a word that was planted and watered. Elle arrive à son plein épanouissement. It gets to its full blossom. Accomplissant, accomplissant son but. Fulfilling its purpose. Quel est le but? What's the purpose? L'épouse, the bride, doit devenir un, to become one, avec la parole. With the word. Donc l'épouse doit devenir Dieu. So the bride ought to become God. Aïe, aïe, aïe. Oh my. Ah, je retourne encore là. Let me go back into that. Voici ce que j'essaie de vous dire. Look at what I'm trying to tell you. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise. C'est alors son espèce. The law of the reproduction wants for each species to reproduce according to its d'après kind. D'après Genèse 1. According to Genesis 1:11. La sorte de vie qui était dans la semence. The kind of life that was in the seed est apparu dans une plante. Has appeared in a plant. Pour se transmettre ensuite dans un fruit. To get transmitted then in a fruit. Écoutez. Listen ye. Cette même loi. That same law. S'applique à qui?
Applies to who? À l'église. To the church. Aujourd'hui. Today. Donc cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. So that same law applies to the church today. Quelle loi? What law? La loi de la reproduction. The reproduction's law. Il y a la parole qui est venue. It's the word that has come. D'un ange. From an angel. Cet ange s'appelle William Marion Branham. That angel's name is William Marion Branham. L'ange messager. The angel messenger. Et cette parole est dans l'épouse aujourd'hui. And that word is in the bride today. Vous croyez cela? Do you believe? C'est fini. That's it. Quand une femme est enceinte. When a woman is pregnant. Qu'est-ce que cette femme là va faire encore? What that woman is going to do else? La femme doit bien manger. The woman ought to eat well. Arroser la parole. Just water the word. Dieu lui-même continue à faire ce que Dieu fait. God himself continues to do what he does. Et l'onction monte. And the anointing grows. The anointing grows. L'onction monte. The anointing grows. Un jour, one day, vous devenez tellement comme lui que les gens vont dire, oh, ça ce n'est pas Jésus. You become so much like him and people start saying, non, ce n'est pas Jésus. Isn't it Jesus? C'est William Branham. No, it's William Branham. C'est son épouse. That is bride. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Mais quand la parole est à l'intérieur, but when the word is inside, surtout au début, especially in the beginning, on ne voit rien. They don't see anything. Mais il dit, chérie, c'est Hannibal. Je ne vois plus. I don't see anything. Ah bon, deuxième mois. Second month. Chérie. Honey. Je sens que... I feel that. Troisième mois. Third month. Ça commence à pousser un peu. It starts growing a little bit. Ah, plus de pantalons des femmes. No more pants of women. Je n'aime plus ça. I don't love this. Je n'aime pas ça. I don't like this. J'aime Jésus. I love Jesus. J'aime Jésus. I love Jesus. Je ne veux plus ça. I don't want this. Le message défend ça. Message doesn't want that. Neuvième mois. Ninth month. Jésus apparaît dans votre vie. Jesus appears in your life. Vous prononcez la parole. You say the word. Et la chose s'accomplit. And the thing will come to pass. Et les gens sont étonnés. And people are amazed. Nous arrivons au troisième poule. We get to the third poule. Hallelujah. Et vous. And you. Et Dieu. And God. Vous devenez un. You become one. Hallelujah. That's so glorious. Oh là là. La sorte de semence qui a fait naître l'église. The kind of seed that is the church to be born paraîtra. Will appear. C'est quoi? What is it? C'est une prophétie. It's a prophecy. Yes, yes. Nous verrons encore des pôles sur la we terre. We shall see some poles on the earth. Des pierres sur la terre. Peters on the earth. Nous retournerons à la même nature we'll go back to the same qu'avaient les premiers chrétiens. That the first Christians had. Vous croyez à cela? Do you believe that? La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. Kind of seed that is the church to be born will appear. Et sera semblable à la semence originelle. It's going to be like the original seed. Parce que c'est la même semence. Because it is the same seed. Dans ces derniers jours. In these last days, la dernière église épouse, the last church bride, écoutez votre promesse, listen to your promise, que Dieu vous donne, that God is giving you, dans ces derniers jours, in these last days, la dernière église épouse, the last church bride, la semence de Christ, Christ's seed, viendra à la pierre de fête, will come to the capstone. Vous croyez à cela? Do you believe? Ah oui. Hallelujah! On a commencé avec started with la foi, the faith, la vertu, the virtue, quoi encore? La connaissance, the knowledge, la tempérance, the la piété, the godliness, l'affection fraternelle, the kindness, la pierre de fête, and the capstone. Vous allez atteindre la pierre de fête. You'll get to the capstone. Vous croyez à cela? Do you believe? I believe. Elle sera la super église. She will be the super church. Une super race. A super race. Alors qu'on s'approchera de lui. While we come close to her. De lui. Of him. Ah, de Jésus. Of Jesus. Les membres de l'épouse seront semblables à lui.
the members of the church will be like him. Hey! Hallelujah. Praise the Lord. Ils seront un. They will be one. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jesus said, I and the Father, we one. Et ici, il dit, vous serez tellement semblable à Jésus. And here he says, you will be so much like Jesus. Et vous serez un. And you will be one. Ça vous fait trembler un peu? Does it make you tremble a little? Donc celui qui vous voit, the one that sees you, il voit votre Dieu. He sees your God. Il voit Jésus. He sees Jesus. Il voit votre époux. He sees your groom. Moi, ça me fait trembler. That makes me tremble. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu. They will be the manifestation itself of the word of God. Donc vous, so you, vous serez la parole rendue manifeste. You will be the word made manifest. Yes, sir. Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. They will be the manifestation of the word of the living God. Les dénominations ne peuvent pas produire cela. The denominations cannot produce that. Elles ne sont pas de la bonne semence. They are not of the good seed. Non. Hallelujah. Praise the Lord. Non pas. Oh my. Qui n'ont pas seulement la bonne semence. No, they don't have the good seed. Mais ils ne sont pas aussi de la bonne semence. They are not of the good seed as well. Ils peuvent pas croire. They cannot believe au message de Frère Branham. In the message of Brother Branham. Parce que because ils sont pas de la semence de they Dieu. Are not of the seed of God. Mais vous, but you, vous êtes de Dieu. You have God. Many, many men. Vous comprenez votre nature? Do you understand your nature? Est-ce que c'est clair? Is it clear? Ma prédication est presque à la fin. My sermon is almost at the end. C'est vous que Dieu présentera. Jésus présentera à Christ. God, Jesus will present to Christ. C'est ce que Branham dit. That's what Branham says. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. From a little group of the seed word, God will present to Christ a beloved bride. Amen. Amen. C'est par les membres de l'épouse. By the members of the bride. Et à travers eux. And through them, s'accomplira tout ce que Dieu a promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Will come to pass all that God has promises to get manifested in the Virgin. Hey, hallelujah! Yeah, 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 yeah. Praise the Lord! Whoa, 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 whoa! Oh my! Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Yes, yes. Jésus n'avait pas tout fait. Jesus did not do everything. Il y a des choses que vous devez faire. There are things that you have to do. Oh my. C'est ainsi dit le Seigneur. This is thus saith the Lord. Vous voulez que je lise ça? You want me to read it? Yes, yes. Page 164 en bas. Page 164 down there. Croyez si vous le pouvez. Believe if you can. Moi je crois. Ceux qui sont de l'épouse. Those who are of the bride. Ne font que sa volonté. Just do his will. Personne ne peut leur faire faire autre chose. No one can make them do anything else. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. They have the thus saith the Lord. Ou alors ils restent tranquilles. Or they just stay quiet. Ils savent ce qu'il faut faire. They know what to do. Ils savent quoi faire. They know what to do. Dieu. God. En eux. In them. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres. It must be God in them doing the works. Qui accomplisse sa propre parole. Fulfilling his own word. Maintenant, serrez vos ceintures. Now fasten your belts. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière. Since he didn't finish his complete work. Lors de son ministère terrestre. During his earthly ministry. Il agit maintenant dans l'épouse à travers et à travers elle. He works right now in the bride through her. C'est toujours Jésus. It's still Jesus. Continuant son ministère. Continuing his ministry. Qui n'a pas terminé ici sur la terre. That he didn't finish on the earth. À travers l'épouse. Through the bride. Amen. Amen.
Elle le sait. She knows it. Ah oui. Yes. Jésus ne pouvait pas aller là-bas. Just Makanza. Could go there to Makanza. Non. Je suis ses pieds. I am his feet. Je suis sa voix. I am his voice. Il dit que l'épouse le sait. He said the bride knows it. Yes. Yes. Là où Jésus devait aller. There Jesus was to go. C'est vous qui devez aller. You have to go. Elle le sait. She knows it. Car à l'époque, because at that time, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses. For him to do some things. Qu'il doit faire maintenant. That he has to do right now. Mais maintenant, now, il va accomplir à travers l'épouse. He will fulfill through the bride. L'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment-ci. The work that he kept for this time. Donc Jésus, so Jesus, fait un travail aujourd'hui. That's the work today. Mais à travers l'épouse. But through the bride. Man, amen. Amen. Man, amen. Croyez-vous à cela? Do you believe? Oui. I believe. Frère Madame dit. Brother Bob says. C'est ainsi dit le Seigneur. This is that saith the Lord. C'est Dieu qui lui avait dit, prends ta plume et écris. God told him, take thy quill and write. Oh, use all axanim. What do you want to show? What do you want to show? What? Il faut du respect. I deserve respect. Yes. C'est Jésus qui continue son travail. Jesus continuing his work. Exposé. Exposition. Paragraphe 164, dernier paragraphe. Page 164, last paragraph. C'est très clair. That's very clear. Ils sont allés vers Jésus. They went to Jesus. Toi. You. Nous voulons te lapider. We want to stone you. Jésus dit, pourquoi vous voulez me lapider? Jesus says, why do you want to stone me? Dit, oh. Parce que toi tu es un homme. Because you are a man. Tu te fais Dieu. And you make yourself God. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sit down please. Jésus leur répondit. Jesus answers back. C'est Jean chapitre 10. John chapter 10. Ce qui est écrit est écrit. What is written is written. Il dit comment on a connu les awapi. What is my problem in this? Il dit ici. Here he says. Jésus leur répondit. Jesus answered them. Jean 10, 34. John 10, 34. Bon, disons même 33. Let's go even to 33. Le juif lui dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. The Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, because thou being a man, makest thyself God. Jésus leur répondit. Jesus answered them. N'est-il pas écrit dans votre loi? Is it not written in your law? J'ai dit, I say, vous êtes de Dieu. Ye are God. Yes. Oh my. Oh my. C'est écrit. It's written. Yes. Que vous êtes de Dieu. That ye are God. Vous me l'habitez parce que je vous dis que je suis fils you de Dieu. Because I serve God. Non, Jésus dit la vérité, tu es Dieu. Oh, I'm telling you that you are God. C'est lui la semence qui a été plantée. He's the seed that was planted. Ça ne peut reproduire que de Dieu. That can reproduce only God. Oui. Yes. Planter un maïs. Plant the corn. Mais quand vous avez le maïs qui va venir là-bas, c'est la même chose avec le maïs qu'on a planté. When you have the corn coming, it's going to be the same thing as the one that you planted. Je ne suis pas Jésus. I am not Jesus. Mais je suis une reproduction de Jésus. But I am a reproduction of Jesus. Donc je suis Jésus. I am Jesus. Nous sommes de la famille royale. We are of the royal family. De la famille divine. The divine family. Vous êtes de Dieu. You are God. Yes. Jésus leur dit, mais frère Barou, tu dois vous prêcher. Brother Barou, you gotta preach to you. Vous ne comprenez pas. You don't understand. C'est écrit que vous êtes de Dieu. It's written that you are of God. Et il ajoute. And he adds. Il dit, si il est appelé de Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. If he called them gods unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Personne ne peut briser l'écriture qui dit que vous êtes Dieu.
No one can break the scripture saying that you are gods. Et Jésus parle spécialement, précisément de cette écriture là que vous êtes des dieux. I'm talking especially about the scripture that you have gods. C'est ça ma prédication pour vous. That's my sermon for you. Vous devez reconnaître votre nature. To recognize your nature. L'écriture ne peut pas être brisée. The scripture cannot be broken. Jamais. Qui va changer ça? Who's gonna change it? Personne. No one. Personne. No one. On ne peut pas changer cela. You cannot change it. Amen. 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 Non, moi, il faut que je suive l'écriture là que Jésus a parlé. Ça se trouve où? The scripture that Jesus spoke. Where is it? Psaume combien? 82. In Psalms 82. Psaume 82. Psalms 82. Dit ceci. Says this. Au verset 6. Verse 6. J'avais dit. I have said. Vous êtes des dieux. Ye are gods. Qui parle ici? Who is speaking here? C'est Dieu lui-même. God himself. Ce n'est pas Jésus. It's not Jesus. C'est Dieu. It is God. Il dit, c'est déjà dit. He says already said. Quajik. That's it. Inaïcha. It's off. Amboshila. That's it. C'est réglé. And it's it. J'avais dit. I am saying. Vous êtes des dieux. We are gods. Et Jésus prend cette écriture. And Jesus takes the scripture. Il dit ce qui est écrit. He said what is written is written. Comment on va enlever ça? How are you going to remove it, oh Seigneur? Vous êtes des dieux. You are gods. Et pour montrer d'où nous venons. And to show where we're coming from. Il dit, vous êtes le fils du Dieu très haut. He said, you are the sons of the Almighty God. Donc le Dieu très haut. Le Dieu très haut. The very high God. Était devenu un homme. Became a man. Et il nous a engendré. And he begat us. Quand il est mort à la croix. When he died on the cross. Il a engendré des dieux. He begat gods. Un homme. A man. Ne peut pas produire des enfants. Cannot produce children. Il produit des hommes. He produces men. Est-ce que vous êtes des enfants tels que vous êtes là? Are you children the way you are? Oh, je vois des enfants. Hein? They are children. Vous êtes des hommes. You are men. C'est pas vrai? That's, yes. Moi j'ai mon père. I have my father. Je ne peux pas dire je suis un enfant. Hey. Child. No. 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 Je suis un homme. I'm a man. Amen. Amen. Vous venez de Dieu. You come from God. Et vous avez la nature de Dieu. God's nature. Donc, then, oh my, oh my. Vous êtes de Dieu. You are God. Vous croyez en cela? I believe. C'est pour cela. That's why. Jésus peut vous utiliser. Jesus can use you. Il peut dire Baruti. He can say Baruti. Ah, va là-bas. Oh, go there. Ressuscite les morts. Rise the dead. Alléluia. Praise the Lord. Délivre les pécheurs. Deliver the sinners. C'est son travail. That is work. Et il me donne ce travail-là. He gives me that work. Et quand je travaille. When I work. Il a dit, je n'avais pas fini mon travail. He said, I didn't finish my work. Bon, maintenant. Now. Tu vas aller à Yakata. Go to Yakata. Et je pars à Yakata. And I go to Yakata. C'est Jésus qui arrive à Yakata. It is getting to Yakata. C'est ça. À travers son esprit. Through his spirit. Jésus sauve les âmes. As Jesus saves the soul. Il amène les âmes à croire en lui. He brings the people to believe in him. Je crois que vous avez bien compris. I believe you understood. Mais si vous êtes des enfants de Dieu, if you are children of God, vous devez avoir la nature de Dieu. You have God's nature. Pas seulement les miracles, not only the miracles, mais la sainteté aussi. But the holiness too. Vivre comme Dieu. To live like God. Marcher comme un enfant de Dieu. Working like a child of God. Amen. Amen. C'est votre nature. That's your nature. On ne peut pas vous voir là comme des cochons. They can see like pigs. Dans la boue. In the mud. Non. Puisque vous avez la nature de Dieu. Because you have God's nature. Vous vivez comme des dieux. You live like God. Dans la sainteté. In the holiness. Alléluia. Praise the Lord. Je crois que vous me comprenez. I believe you understand me. Yes, sir. Alléluia.
Praise the Lord. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Yes, so much, Pastor. Très clair. Very clear. Bientôt, ça sera la moisson. Soon will be the harvest. Puisque nous parlons ici de l'agriculture. Because we talk about here about the agriculture. Bientôt. Soon. Très bientôt. Very soon. On va couper. Et nous irons dans l'enlèvement. And we're going to rapture. Hallelujah! Praise the Lord! Et ils vont rester ici. So we stay here. Mais nous partirons au grenier. We will go in the attic. Au ciel. In heaven. Bientôt nous serons là au ciel. Soon we'll be there in heaven. De deux personnes dans un lit. From two in a bed. Dieu ne prendra que son enfant. God will take only his child. Amen. Amen. L'autre va rester. The other one will stay. Mais il faut vivre comme un chrétien. But you have to live like a Christian. Marcher comme un chrétien. Working like a Christian. Hallelujah. Praise the Lord. Vous savez, you know, vous avez besoin de mûrir. You need to ripen. Oui, nous sommes dans l'agriculture. We are in the agriculture. Pour mûrir, to ripen, le fruit a besoin du soleil. The fruit is the sun. Oui, les gens vont vous critiquer. People will criticize. Ils parleront mal de vous. They will talk evil of. Mais restez au soleil. But stay on the sun. Montrez aux gens. Show the people que vous attendez Jésus. You're waiting for Jesus. Tout ce qu'il dit, c'est là. All that he says. Ça vous fait rien. That doesn't do anything. Souffrez pour mûrir. It's to ripen. Écoutez. Listen. Le caractère. The character. C'est ce que Dieu veut. That's what God wants. Quand on parlera contre vous, against you, ne répondez pas. Don't answer. Quand on vous giflera, donnez l'autre joue. Give the other cheek. Ce que vous voulez, vous, what you ask, c'est atteindre la statue de Jésus-Christ. Is to get to the stature of Jesus Christ. Amen. Man, amen. Lui, il avait atteint la perfection. He got to the perfection. À cause des souffrances qu'il avait traversées. Because of the suffering. Vous traversez aussi des souffrances. You go through sufferings. Pour que votre nature se manifeste. So your nature can get manifested. Vous êtes de l'or. You are gold. Vous avez de la valeur. You have value. Mais l'or doit passer par le feu. But the gold gotta go through the fire. Pour qu'il soit purifié. They can be cleansed. Le feu ne vous tuera pas. The fire will not kill you. Le feu sortira les mauvaises choses de vous. The fire will take out all. Hallelujah. Evil thing from il ne restera que de l'or. It's gonna be only gold. Et quand les gens vont vous regarder, and people will look, ils vont dire, ça c'est une fille de they Dieu. Said, this is a daughter of God. Ça c'est un fils de Dieu. That's a son of God. Bientôt nous allons partir. Soon we'll go. Bientôt ça sera la moisson. Soon it's gonna be the harvest. Bientôt Jésus viendra chercher le grain. Jesus will come to get the grain. Et nous irons. À sa rencontre dans les airs. And we'll go to meet him in the air. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Thank you very est-ce much. Est-ce qu'on peut chanter quelque chose de bien? Can we sing Pasteur, something? Tu peux venir ici. Pastor, come on here. Oh my, thank you Lord, frères, brothers, comment est-ce possible? How can it be? Un homme comme vous et moi. Men like you and I. Je regarde Batonassou, je dis. I look at Batonassou. Reviens dans ce corps. Come back in his body. Et il ouvre les yeux. She opens up the eyes. Nous sommes arrivés à la fin. We got to the end. Nous sommes arrivés à la pierre fêtière. We are the capstone. Nous sommes arrivés au troisième pool. We are the third pool. Pas moi seulement. Not only me. Vous aussi. Yes, well. Vous aussi. Yes, well. Vous aussi. Yes, well. On parlait de l'histoire. Du Saint-Esprit. Of the Holy Ghost. Mais aujourd'hui, but today, le Saint-Esprit est sorti de l'histoire. The Holy Ghost came out of the history. Le Saint-Esprit est ici. The Holy Ghost is here. Ici. Here. Ici. He's here. Dans notre assemblée. In our le Saint-Esprit n'est plus the dans l'histoire. Holy Ghost is no more story. Oh, amen. Amen. Moi je crois. I believe, oh my. De tout mon cœur. With all my heart. Que celui qui veut recevoir le Saint-Esprit. The one who receive the Holy Ghost. Il est capable de le recevoir. He's able to receive. Que celui qui veut te guérir. The one who wanna be healed. Dieu va le guérir aujourd'hui. God will heal him today. Que celui what? Qui a quelque chose sur son cœur, Dieu va lui accorder cela aujourd'hui. Vous croyez à cela?
Dieu ne peut pas écrire quelque chose God cannot write something down et ne pas la réaliser. And not to fulfill it. Ce qui est écrit est écrit. What is written is written. Ce qui est écrit est écrit. What is written is written. Il est écrit, vous êtes Dieu. It's written, you are God. Vous devez vivre au-dessus du péché. To live above the sin. Moi, le péché n'a même pas de place devant moi. Non, c'est le péché qui doit me fuir. Je vous dis la vérité. Yes. Et depuis mon enfance, from my childhood, le péché m'a laissé tranquille. The sin has left me alone. Il peut le faire aussi pour vous. He can do it for you, yes. N'allez pas toujours vers les frontières. Don't go all the time by the border. Rentrez dans la vie chrétienne. Go back in the Christian life. Bientôt, ça sera trop tard, mes frères. Soon it's gonna be too late, my brothers. Préparez-vous. Get ready. Bientôt, ça sera la moisson. Soon it's gonna be the harvest. Et nous partirons. And we'll go. Ce n'est pas loin. It's not too far. Frère Branham dit, c'est l'âge le plus court. Well, the Bible says the shortest age. Dieu est capable de faire tout, Seigneur Jésus. Ce qu'il dit, il le fera. Tu es encore Dieu aujourd'hui, Seigneur. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Je dis, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Oh, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Envers toi. Toi, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et je oh, oui, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Toutes ses promesses, oui, envers toi, envers toi. Et si garde ta foi, à ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Moi je dis, il fera. Croyez, believe me. Le Seigneur va vous guérir. The Lord will heal you. Peu importe la maladie qui vous dérange. Doesn't matter the sickness bothering you. Peu importe le péché qui vous dérange. Doesn't matter the sin bothering you. Peu importe le problème que vous avez. Doesn't matter the problem that you have. S'il a fait à Kinshasa, if he did it in Kinshasa, il peut le faire ici. He can do it here. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je leur ai dit la vérité. I've told them the truth. Que tu es Dieu. That you are God. Et que tu as engendré des dieux. And you have begotten gods. Maintenant confirme cette parole, Seigneur. Now confirm that word, God. Que toute personne qui est malade ici soit guérie. Anyone that is sick here be healed. Au nom de Jésus. In Jesus' name, j'ordonne à tous les démons de maladie. I command all demons of sickness. Sortez de leur corps. Leave the bodies. Tous les démons de maladie. All demons of sickness. Sortez de leur corps. Leave the bodies. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Allez dans les lieux arides. Go in the wilderness. Seigneur, accorde des enfants. Lord, great children. Seigneur. Lord. Accorde le Saint-Esprit. Grant the Holy Ghost. Accorde le mariage, Seigneur. Grant the marriages, Lord. À tes enfants. To your children. Je demande un miracle. I ask a miracle, oh my Lord. Toi, le Dieu de Bunia. You're the God of Bunia. Toi, le Dieu de Lodja. God of Lodja.
Tu es aussi le Dieu de Charlotte. You are also the God of Charlotte. Que les miracles, may the miracle, puissent se manifester dans cette église. Get manifest in this church. Il croit dans mon ministère, Seigneur. Say believe in my ministry, Lord. Et il croit en Jésus-Christ. Say believe in Jesus Christ. Descends, ô Dieu. Children. Et accorde à chacun le désir qui se trouve dans son cœur. Grant to each one the desire that is in his heart. Même pour les familles qui sont loin. Even for the families who are away. Ils ont sur leur cœur. They are in their hearts. Que tu guérisses ces gens-là. For you to heal those people. Que tu délivres leurs familles. Deliver their families. Nous brisons tous les liens de famille. We break all the bonds of the family. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Que chacun soit libéré de ses liens. May each one be set free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Tu es Dieu. You are God. Tu as travaillé avec ton prophète William Branham. You have worked with your prophet William Branham. Maintenant Seigneur. Now Lord. Travaille ici. Work here. Descends Seigneur. Come down Lord. Manifeste-toi. Manifest yourself. Et tes enfants reçoivent de toi. May your children receive from you. Des miracles. Miracles. Des bénédictions. Blessings. Des bonnes choses. Good things, oh Lord. Et qui viennent témoigner. And may they come testify. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant. The works of the Almighty God. Sauve les âmes, Seigneur. Save the souls, Lord. Enlève les publicités. Remove the things. Enlève cela de tes enfants. Remove it from your children. Tu es encore Dieu aujourd'hui. You still libère tes enfants. Set your children. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fill us with holiness. Remplis-nous de sainteté. Fill us of holiness. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci notre Dieu. Thank you our God. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous l'avons ainsi demandé pour ta seule you gloire. Ask it for your sole glory. Tu es l'unique Dieu. You're the unique God. Avant toi il n'y avait pas de Dieu. Before you there's no God. Après toi il n'y en aura pas. After you there won't be any. Tu es notre Père. You are our Father. Tu es notre Époux. You are our Bride. Descends Seigneur. Come down Lord. Et guéris les malades. And heal the sick. Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi, Jésus. Seigneur, nous voulons te voir. Manifeste-toi, Seigneur, Seigneur, manifeste-toi. Te voir, Seigneur, manifeste-toi.
Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Nous croyons que tu viens de remplir les gens. We believe that just fill people. De ton Esprit Saint. Of your Holy Ghost. Nous croyons que tu viens de guérir des enfants. We believe just heal your children. De toutes les maladies qu'ils avaient. All the sicknesses that they had. Nous croyons Seigneur. We believe Lord. Que tu nous as donné des bénédictions. That you gave us blessings. Tu es Dieu. You are God. Tu ne changes pas. You don't change. Reçois la gloire. Receive the glory. L'honneur. Honor. La puissance. Power. Merci Jésus. Thank you Jesus. Tu es notre Dieu. You are our God. Merci notre Dieu. Thank you our God. Merci notre Papa. Thank you our Daddy. Reçois tout l'honneur. Receive all the honor. Et guéris tes enfants. Bless your children. Guéris leurs âmes. Bless their souls. Et guéris leur corps. And bless their bodies. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Fill us with the Holy Ghost. Dans le nom précieux de Jésus. The precious name of Jesus. Dans le nom précieux du roi des rois. The precious name of the King of Kings. Jésus Christ. Jesus Christ. Dans le nom précieux de notre époux. Precious name of our groom. Nous avons ainsi demandé. That we ask so. Amen. 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 Alléluia. Moi je crois que Dieu agit. I believe God has worked. Yes. Il a agi puissamment. He has worked powerfully. Nous aurons des témoignages. We shall have testimonies. Nous voulons des dieux couverts de peau. We want God covered with skins. Comme cette femme là. Like that woman. Le garçon a dit, moi je veux que tu sois là. I want you to be there. Maman, je veux un Dieu couvert de peau. Mama, I want the God covered with skin. Il voyait Dieu à travers sa mère. He saw God through his mother. À partir d'aujourd'hui, que les gens voient Dieu à travers vous. From today, let people see God through you. Soyez un exemple pour quelqu'un. Be a role model for somebody. Soyez un modèle pour quelqu'un. Be an example for somebody. Vivez la vie de Jésus. Live your Jesus life. Et les gens verront Jésus à travers vous. People will see Jesus through you. Qui a senti quelque chose que Dieu lui a donné aujourd'hui? Who has felt that God has given him something today? Il vient témoigner. Come on and testify. Passez le panier. Bring on the baskets. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Les paniers vont passer. The basket will go forth. Place dans les cœurs de tes enfants de donner. Put in the hearts of your children to give. Et bénis chaque personne qui donnera. Bless each one that is going to give. Donne du travail à celui qui ne donnera pas. Give job to the one who won't give. Qui puisse donner la prochaine fois. So he can give next time. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous avons ainsi prié. We have prayed so. Au nom de Jésus Christ. The name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amenez chez moi aussi. Vous voyez, quand vous allez quelque part où le Saint-Esprit est là, when you go somewhere, there's the Holy Ghost. C'est difficile de couper. It's difficult to cut it. On sent l'onction. You feel the anointing. Et ça fait du bien. That's a good feeling. Oh,
Oh,